chasseurs. Wow, putain, il est déjà 2h. Un soir comme un autre. Encore un de ces hivers trop froids. Les beaux jours arrivent, on y croit. Cohiba dans le cendrier, whisky sans glace sur la table basse. Je commence à fatiguer, mes nuits sont calmes cousin. Le portable quasi éteint, un bruit et je pète un cap pour rien. Pour bien me situer, je préfère lyncher le temps que j'ai. À me fatiguer les yeux sur le net et traquer le sommeil au cas où j'y penserais. Encore, insomnia comme Naref à l'ancienne poteau. Et l'encours le bon pilon de la vingtaine qui me soigne mes migraines. Tous mes neurones s'en souviennent. Mes petits frères ont tous grandi dans le rap. C'était pas notre cas, survêt l'auto par cas. À peine sorti de l'époque, de la 1, la 2 et la 3. Des premières tricks dans une podcast. J'ai pris des rides jusque dans ma voix, du haut de mes 36 piges. On arrive tous un jour au même constat. Et ça me fout bien le vertige, un soir de cafard comme ça. On sort ou on reste chez soi. Page direct. Ah bon? Ah, Slimane et Karim? Bah ouais, je suis avec la ferraille là. Viens, je te dis. Ok, vas-y, je te bute demain. Ok, comme tu veux. Allez. À demain, Charles. À demain, frère. Ciao, ciao. J'ai dans mon crâne trop de murs que je ne peux plus voir en peinture. Besoin d'une cure d'air impur. D'un coup d'éponge sur mes choses et me voilà sur le bitume. Ce soir j'épouse mes sales habitudes. Le parcours est le même, le schéma est grossier. Comme cette énième fois où je passe chez l'épicier. J'ai envie de chiner, la dernière des soirées les plus hype de Paris. Trouver la femme d'un soir, non pas celle de ma vie. Je vieillis comme un bon vivant. J'ai les thunes de mon concert et de quoi me refaire sur le suivant. La nuit me guide vers les excès. Je fais pas exprès, souvent dans les extrêmes. C'est ce que me disent mes sex friends, dont les corps se lisent comme du braille. Doucement la boucherie me dira la ferraille. Hec, on part en vrille comme des pyromanes d'une nuit, où on cogite salement sur nos insomnies. Wow, Hec et Macarine, t'es mal le Starbex. Aïe, aïe, aïe. Mon putain, qu'est-ce qu'il fout? Qu'est-ce qu'il fout les gros? Absent pour le moment, mais c'est un message. C'est la messagerie. Ah. Hey, ouais, allô négro, qu'est-ce que tu fous? Ah, vas-y, rappelle-moi, putain. Ah, c'est bouillant ce soir. Ah, on a pris une bouteille là. Ah, ouais, mon pote. Mademoiselle! Ah, putain, y'a du. Wow, c'est de life easy, frère. Vas-y, rappelle, rappelle. Rappelle. Se propage-t-elle? Comment se propage-t-elle? Et surtout, comment sont protégées pour éviter les ravages qu'elle peut provoquer? La rumeur circule depuis plusieurs années. La rumeur. Mais d'où est née la rumeur? La rumeur. La rumeur se développe spontanément. Aucun contrôle. La rumeur se propage de manière extrêmement rapide. Mais la rumeur qui circulait, c'est à risque
qui le discuterait serait hors sujet, serait hors sujet, serait hors sujet. On multiplie les procès et les projets. Retour des grands messieurs du rap français qui le discuterait serait hors sujet, serait hors sujet, serait hors sujet. Car ils n'ont jamais vu le danger de près. Faire un suivre comme une page de plus. Faire un suivre comme une page de plus.